Bonsoir Gadi. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Si au Cap, bonsoir. Petit pays, am salue nous toutes. Yes, Christo, Polycarp. Oh, rappel. Bon, rappel, la bambada dans d'eau du tout bleu de bam. Bakari tout disparaît comme ça, non, men. Gade au soldat, monsieur. Rappel, fon parle, oui, après la vie, men. Yelling Gibbs. Samaka. Salutations, men. Jonathan, bon bagay. Beta. Espère vous frère. Rénal, soldat solide. Soldat solide tout le temps, frère Pam. Kodo, espère vous. Tonton Bichat, espère vous, love. Divelt, espère vous. Ricardo, soldat solide, où là? David, puis à lui. Respect pour vous, frère Pam. Dos Santos. Oui, Jean-Loup, salut tout. Jean-Loup Céleste. Côté soldat, yo, côté Spilib, yo. Pourquoi un soldat, Spilib, yo, non? Corinne. Comment est Corinne? Un salut, Corinne. Georges. Triblo, Georges. Yes, bon bagay, toujours présent. Cher la vla mouen. Mouen salue tout, Eva. Diop, mouen salue. Anot, Gadi Pierre, en pile love, respect vous. Sabine, esprit libre, bon bagay. Respect vous. Maniga, Junior. Bon, bon soldat, oui, soldat sérieux. Yves Elisma, soldat red, oui. En pile respect. Luc, Steve Honoré, respect pour vous, frère Pam. Bon bagay. Ah, soldat, you, là, pile soldat, là. Webet, oui, respect pour vous. En pile love. Sandino Duval, respect pour vous. Sabine Antilus, respect. En pile love pour nous. Louis Saint, oui, l'on de Louis Saint. Regarde nous, Père, non? Dis-nous ça déjà. Lucias, je suis là. En avance, en avance, en avance. Ray, soldat solide. Frère, pas moi. Oui, frère, pas moi, j'en mime tout le temps. Si tout le monde besoin d'entrer dans le groupe Telegram, de contacter Ray, c'est lui. C'est lui-même qui est en charge de Domenza. Janice, respect pour vous tous en drague. Rousseau, Mavens, bon bagay, respect pour vous. Désormais, Evelyne bien-aimée. Dimitri Sanon, canon soldat. Soldat sérieux depuis Chini. Esprit libre, Dimitri Sanon. Ah, oh, bon, Madja Loa, une kala. Olei, Madja Olei. Respect pour vous. En pile love. En pile love, en pile love. Evelyne bien-aimée. En pile love vous, respect. Un soldat sérieux, n'est pas extra. Extra. En pile love. Mary-Louise Branché depuis Brésil, Red, oui. Botley. Bon, mon autre soldat sérieux. Soldat en pile esprit libre. Campé Red, oui. Campé Goumenye. Richemont. Bon bagay, bon bagay, bon bagay. Blaï Bobot, Richemont. Blaï Krek, bon balabla. Oui, Larissa Etienne. Bon bagay, respect pour notre bataille, notre bataille. Mettez main dans la patte. Ah oui, moi mon tour, Olei. Bon bagay, respect notre bataille. James Lalan. Ah oui, notre bataille, camarade. Si monsieur Brésil, moi, moi, nous en pile. Si monsieur Chili, en pile love pour nous. Monsieur Parimio. Désor, respect pour vous, bien aimé.
Marie, mon esprit libre, mon soldat sérieux. Avoir un esprit libre. Bataille, ça, c'est une bataille qui m'a donné le courage. C'est avec le temps. C'est avec le temps, oui. Nous prenons les vrais esprits libres. C'est le temps, oui, qui va dire nous, vrais soldats. Marqué ça nous dit non. Oui, Argentine Red tout. Pouchon Michel, respect vous. James, en pile love. James c'est lui. Et Jean-Baptiste m'aime nous en pile tout. Remet tête nous. Et puis manifestez l'amour en bas live là. Remet tête nous, manifestez love là, cher live là. On va en cher live là. Piga nous oui, piga nous paix. On va en. Et Dodier Charles, merci en pile camarade, n'a continué. N'a kembe kout yon lot. Pour nous continuer à avancer. Badala pa piti. Et nous pas décourager. Les presse me salue tout. Dieu me salue encore. Johnson Lee, yes, ak patience. Si monsieur Bahamas mwen yo, respect pour nous, petit zanti yino. Un peu love. Yes, pushon, un peu respect, respect love. Nous avons besoin de paix. Ah, il y a un péché là. Maman, nous allons avancer. Will est né, Will est né. Nous saluons tout, respect vous. Norville, un pile love. Et nous, y a un petit nègre tête grande qui vous aime l'autre. Yes. Ou même jeune garçon, jeune femme qui quitte le pays d'Haïti, qui cherche la vie ailleurs, un bon exil forcé, ou la guéco Chili, ou la guéco Brésil, ou la guéco Saint-Domingue. Ou la geko nan zanti yo Bahamas, ou expose à toute forme d'humiliation, déception, racisme. Ou la geko aux États-Unis, ou la geko en Europe. Et des fois où moral ou fatigué. Moral ou fatigué. À confronter à des moments difficiles. Ou quitter pays où? Ou quitter pays où? On va nous quitter bel soleil, ou quitter plage, ou quitter famille, ou chercher à gauche, ou chercher à droite. Je me dis non. Je me balais avec nous.
dans la bataille. La bataille. Quand mon Lydia, pourquoi ils ont ça? Et ça parle de l'esprit christique là, de Christ, de Jésus. Il a parlé de la foi. Et Dieu a raisonné. Il a réfléchi. Il a produit des raisonnements. Des raisonnements scientifiques pour justifier le comportement humain. Nègre a produit des raisonnements scientifiques pour nous montrer que Haïti va faire un pas. Il a fait 200 ans. On va regarder l'histoire du pays. On va poser des questions. On va demander qui existe qui gagne. Qui route de sortie qui gagne? Parce que majorité n'est qui prend initiative pour camper face à système non? Système non? Bref. Pendant 200 ans, plusieurs tentatives faites. Système non? Bref. Et comme parler de système non? Bref, et pas n'importe monde, système non? Bref. Système n'a pas des âmes qu'un des deux sociétés nous nous considérons comme des intellectuels chevronnés, comme des banges, comme des hommes de lettres, de culture, des hommes éduqués, des hommes de science. Et certains d'entre eux rivés au timon des affaires de l'État. Ils ont tous échoué. De tout tomber. Ce sont des figures politiques qui poussent un jeune garçon aujourd'hui hein, à produire une réflexion solide pour le demander tête lui qui s'est expliqué échec gros intellectuel ça. Qui s'est expliqué échec homme de lettres ça yo soi-disant cultivé. Qui s'en explique chèque ça? Mais Dieu a écrit livre sur la réalité politique, économique, sociale du pays. Il a décrit la réalité. Il a expliqué dans les livres. Mais Dieu n'a pas jamais vu le système là. Mais Dieu pas jamais améliorer condition de vie peuple là pendant 200 ans. Qui ça t'explique chèque ça? Aujourd'hui, nous arrivons au moment côté que n'a assisté à des intellectuels détenteurs de doctorat PhD dans une université prestigieuse du monde occidental. Maintenant, là, on est confronté à la réalité haïtienne. Là, on est confronté avec réalité sociopolitique, économique, pays, système dans le monde. Ils ont échoué. Ils ont fait bec à terre. Qui ça qui explique ça? Me poser tête mes questions ça en permanence.
en quête de solution. M'a posé tête, moi, m'a réfléchi sous phénomène ça. Qui vient rete en constante dans la réalité du pays d'Haïti. Alors, m'a dit à quoi? M'a posé tête, moi, m'a dit à qui ça s'est servi pour mon doctorat? À qui ça s'est servi pour moi les têtes intellectuelles? À qui ça s'est servi pour moi les têtes moins? Hein? Homme de lettres, de culture, cultivé, comme t'es passé dans les grandes universités. Quelle gloire! M'a pas le tiré la donne. L'aime connaît. M'a pas qu'à changer rien. La condition frême, somme. Qui gloire que m'y est là-dedans? M'écarter l'intellectualisme. Mettez l'intellectualisme de côté. M'a essayé de continuer notre quête philosophique, moi, pour m'arriver à cerner la réalité, ça. M'a parlé d'autres noms fumés. Jean Prasmas, Jacques Roumet, Duvalier, ces ethnologues, ces hommes de lettres, de culture, ces savants, ces banges, ils ont fourni en littérature haïtienne, côté ils ont produit un ensemble de pensées que légué pour nous comme héritage culturel. Mais cependant, ils ont tous échoué. Ils ont écrit livre sous livre, ils ont écrit livre sous livre, ils ont écrit livre sous livre, ils ont écrit livre sous livre. Chaque bar approche pas. Mais ils ont tous échoué pendant 200 ans. Qui ça va expliquer ça? Ils ont arrivé au timon des affaires de l'État. Des économistes mondialement reconnus, chevronnés, tels que Marc Bazin, yo blahi, bobot yo. Des hommes de lettres qui ont enseigné dans une université étrangère, tels que Leslie Maniga, yo blahi, bobot yo. Yo homme aussi cultivé. Tant qu'on Aristide. Libre à Ibobot. Maintenant, je me dis qu'un problème sérieux de poser. Si des hommes lettrés, si des hommes qui, à un moment donné, t'es exposé à la bonne culture, au savoir savant, si des hommes qui ont fréquenté les universités les plus prestigieuses du monde occidental, ils ont fait bec à terre devant la réalité haïtienne. Alors je me suis dit, comment se fait-il des esclaves qui n'ont jamais été exposés à la bonne culture? Comment se fait-il des esclaves qui partent doctorat, qui partent à la Sorbonne, qui partent à la VAB, qui partent aller à Princeton, qui partent passer Yale, qui partent faire Columbia, qui partent passer dans l'UEH? Comment se fait-il des esclaves qui te passent matin, midi, soir dans des champs de canne à couper canne à sucre, dans des conditions inhumaines? Comment se fait-il? Ils ont réalisé la plus grande chose que l'humanité n'ait jamais connue, la révolution haïtienne.
Comment se fait-il? Comment se fait-il des hommes analphabètes, illettrés, de commun accord, ils ont fait 1804? Comment se fait-il? Comment est-ce que y a tel phénomène? Moi, lis livre sur réalisation ça. Moi, lis livre, n'est-ce pas expliquer de façon scientifique la révolution haïtienne. N'est-ce pas expliquer des historiens, après c'est comprendre qui ça t'est passé en 1804. Qui fait, si mes moitiés green, mettez fin avec l'esclavage. Il y a pas toute explication. Même garder bien analysé, moi pas gagner une explication ça au qui kembe. Pas gagner qui kembe. Parce que face à une grande puissance, il y a un empire colonial esclavagiste tel que la France dominée par l'armée napoléonienne, il est impossible pour des esclaves qui par contre lit par contre écrit arriver battre la plus grande armée du monde d'alors. Il est impossible. Lit mathématiquement impossible pour prouver ça. Et lit rationnellement impossible pour prouver lit. C'est-à-dire que face à la révolution haïtienne, la science a prouvé ses limites. Il n'y a pas qu'à expliquer. Quel que soit Jean Viel, ou pas qu'à expliquer. Parce qu'il y a quelque chose de mystérieux. Bon bagaille dans la révolution haïtienne non, qui paraît bizarre. Bloqué ça déjà, pas besoin qu'il y ait. Il paraît bizarre. Les hommes de lettres de culture, les historiens, ils n'ont pas quand même été meilleurs sous phénomène ça. Ils n'ont pas capable de cerner. Ils ont étudié le bon côté Napoléon pour voir s'il y a une faiblesse. Ils ont étudié le bon côté de l'armée indigène pour voir s'il y a comprendre la stratégie et la tactique. Ils n'ont pas qu'à comprendre ce qui passe. Phénomène là. Ils n'ont pas qu'à comprendre. Ils ont fait toute tentative pour expliquer le phénomène là. Dès que ils n'ont pas capable. Maintenant, yo rend yo compte qu'on bagay mystérieux là-dedans. Gen bagay mystérieux là-dedans. Le monde naturel est dominé par le déterminisme. Il y a les lois naturelles qui gouvernent les phénomènes naturels. T'aimes dis-nous bien pour me comprendre. Déterminisme, cause et effet, qui gouvernent le monde naturel. Ils transposent à travers des gymnastiques intellectuelles dans le monde social. Au point que nous avons parlé de déterminisme social. Nous considérons la société comme un corps. Et en tant que corps, tout ça
qui en dedans comme ça, yo déterminé. Ceci étant dit, toute chose qui a opéré en dedans corps social là, explication ni doit joindre en dedans corps. Cause changement social yo, c'est en dedans corps social là même pour chercher. Il pas qu'à sortir ailleurs. Ça, c'est le déterminisme social. Pour un phénomène social, il faut une cause sociale. Mais attention, mais ils ont échoué. Ce mode de raisonnement, il a échoué quelque part. L'éprouve limite li l'a monté dans source dans processus de raisonnement antérieur li montre limite li parce qu'à quel moment la société humaine est apparue, à quel moment la société humaine est apparue dans l'histoire de l'humanité. Entre l'individu et la société, entre l'homme et la société, qui s'acquitte là avant? C'est le même dilemme pour là avec Zia. Maintenant, le monde naturel, bien que soumis à un déterminisme mécaniciste, il y a un bagage qui est fondamental pour nous comprendre. Il est dominé par un rapport de force. Écoutez bien ça, m'a dit là, parce que mène-nous au côté. Sur le chemin, maman, m'a mené nous au côté. Et c'est cerner la profondeur de mon esprit. M'a mené nous quelque part. Il est dominé par un rapport de force. Et le plus souvent, dans le monde naturel, c'est toujours le plus fort qui subsiste. C'est toujours le plus fort qui existait, qui survit, le plus fort, le plus robuste, le plus dur. Mais dans le monde naturel, il arrive à comprendre que c'est la nature qui sélectionnait mon cap. C'est la nature qui dotait les forts de force. Et c'est la nature aussi qui dotait les faibles de faiblesse. Écoutez bien. C'est la nature qui fait mouton. C'est la nature qui fait lion. Yo pas qu'à échapper avec loi ça. C'est la nature, à travers ce qu'on appelle sélection naturelle, qui fait chat. Et qui fait un sourit. Maintenant, la nature aussi impose ce qu'on appelle un rapport. Pour suivre avec moi, camper, l'été avec le raisonnement ça. Faites attention. Raisonnement ça, je ne vais pas aller avec nous en fond. Bear with me, please. La nature est posée au rapport.
rentrer dans la dynamique. Question de survie. Et c'est ça que le darwinisme, à travers la théorie de l'évolution, pral expliquer. C'est rapport ça que Darwin pour conceptualiser à travers ce qu'on appelle la théorie de l'évolution. C'est-à-dire non seulement la nature à travers l'environnement conditionné évolution bête, mais lui sélectionner tout qui ça doit survivre et qui ça pas doit survivre. Et il établit des lois qui dictent le comportement des animaux. Et c'est ça d'expliquer. Yon mouton pas jamais de raison devant yon lion dans le monde naturel. C'est ça qu'expliquer que yon rat pas jamais de raison devant yon chat dans le monde naturel. Parce que la nature pas équipé chat là, rat là pour camper face avec chat là. La nature pas équipée. Attendez. Il pas équipé mouton pour camper face avec lui. D'abloqué, il faut agir Jimson. Moi fait vini. Moi fait vini, pourquoi bloquer? Qui est-ce toujours? Pourquoi bloquer monsieur? Qui est-ce toujours? Parce que depuis il dit qui est-ce qui met la nature là? Nous avons un petit croyant qui a fait macaque. Je vais mettre bête sur lui, je vais mettre précision après ça dans la fin là, je vais bloquer. Ceci explique, mes chers amis. Le déterminisme naturel. Il joue un rôle important pour cerner la philosophie naturelle. Et pour comprendre les phénomènes naturels. Et ça va monter plus loin avec la théorie du Big Bang pour écarter toute possibilité de une théorie de création, c'est-à-dire le créationnisme. Cette cosmogonie, je mettais là l'écart, dans la mesure où la science a essayé de joindre l'origine du monde naturel, du cosmos. Il fallait que, puisque c'est le principe déterministe, c'est lui qui gouvernait le monde naturel, ou pas qu'à expliquer les phénomènes naturels à partir de une cause supranaturelle. C'est le fondement fondamental, c'est le principe fondamental qui gouverne l'esprit scientifique. Ou pas qu'à expliquer phénomènes naturels à partir d'une cause extra ou supranaturelle. Il faut toujours expliquer le phénomène naturel à partir d'une cause naturelle. Ça, c'est le déterminisme scientifique. C'est la loi qui gouverne l'esprit scientifique. Du moment qu'on fait appel avec un esprit ou bien une force extérieure pour expliquer les phénomènes naturels, ou échapper ou sortir en dehors de réflexion, de loi qui gouvernait, c'est-à-dire le déterministe qui gouvernait phénomène naturel. Ça, c'est le fondement de la pensée scientifique.
c'est ça qu'on va expliquer que nous avons écarté toute explication théologique, toute explication cosmogonique, toute explication mythique, les hommes de science, pour être capables de chercher une cause. C'est-à-dire, cause originelle. Quand je dis cause originelle, là, il faut que la nature de la cause, en quelque sorte, doit être naturelle. C'est-à-dire que l'idée matière, matérialiste, pure. Et c'est comme ça que nous vini avec la théorie du Big Bang. Pas occupé, monsieur. Nous dis-nous ça déjà. Nous pas occupé. Relax. On pousse une barrière. Dans le niveau mieux là, on dit nous pas faire des filets de nous. Ma mène nous au côté. Pas qu'il nous distrait. Je ne vais pas bloquer. Et moi, je choisis pour bloquer. Je vais bloquer à la fin. Je ne vais pas bloquer. Je connais l'ignorance. Je ne vais pas bloquer. Je ne vais pas bloquer. Nous connaissons déjà que nous faisons plus mal à ces gens. Nous faisons plus mal. Pour qui vous? Et nous, cap gérer nous ici là. Chill. Écoutez bien. Et c'est ça qui explique que je viens avec la théorie Big Bang. Principe dit, il faut d'abord rejeter toute explication métaphysique. Et ça, le principe, le fondement. Il faut rejeter toute explication métaphysique qui a un rapport avec le monde invisible. Il faut expliquer les phénomènes matériels par ce qu'on appelle une cause matérielle. Mais je viens avec le Big Bang. Comme théorie. Je parlais de l'expansion de l'univers. C'est-à-dire que à partir des lois, comprenez, il a expliqué que l'univers a expandé. Et si l'univers a expandé, pourquoi bloquer, ok? Je dis qu'il là. Si l'univers a expandé, c'est que l'univers a commencé en côté quelque part et négorer les petits points ça qui étaient éclatés, qui explosaient, à dynamique ça. Alors, il faut comprendre, oui, si on approche nucléaire, oui, on fait, c'est-à-dire que approche de yon cellule, de yon petit nucléaire tout petit, et puis qui est arrivé, parce qu'à partir de la division cellulaire, où qu'on est le cellule, et cellule-là, puis petit cellule-là, ça va passer le fait, il y a un moment, il y a une dynamique qui a fait dans des noms, et puis cellule-là vient arriver, il divise. C'est ce qu'on appelle la multiplication cellulaire. Dans la biologie, il y a une méiose avec. Et dynamique ça quoi phénomène ça les méioses et de notre côté il y a les longs l'autre bail comme ça et puis cellule a divisé le baillon cellule mère cellule fille bah des whatever so à partir de là nèg yo expliquer même phénomène et nèg yo suivre lui à partir de ce qu'on appelle tout spermatozoïde là. Les spermatozoïdes lorsque dame nan fécondité les dames nan vini mette ti moun nan votre méiose yes merci méiose ça avait mitosis les dames nan recevoir et sperme nan en dedans ni OK zia automatiquement gon travail qui pour commencer processus ça l'el commencer qui ça fait ouais gon mécanisme de développement si mon a gros ouais il commence prend stade zeul il commence à grossir c'est-à-dire la expand mais en même temps la expand la former en même temps tout la former gagnon processus c'est ça fait rouler le cosmos. Pour quelle raison? Gon certaine ordre que Timounan a développé en dedans. Damna. Timounan n'a pas développé comme si de façon chaotique. Gayon ordre, gayon processus, gayon mécanisme, gayon bagay kap guide Timounan pendant le stade. Kap di fos oreille apparaît, fos yeux apparaît, fos nez apparaît, fos bouche apparaît. C'est-à-dire que gayon information qui baille et c'est ça qu'il avait expliqué là des informations qui baille jusqu'à ce que Timoun n'a venu dans le stade 9 mois
Et petit monde est sorti. Maintenant, vous avez un enfant. Ça, c'est la vie. C'est le phénomène de la vie. Écoutez bien. Maintenant, nous avons vu trouver un gros problème. Les scientifiques, toujours dans le monde matérialiste, là, là, faites attention. Je ne suis pas encore dans le monde des esprits. Beaucoup dans spiritualiste, beaucoup dans métaphysique, beaucoup dans abstraction, dans le monde scientifique là. C'est-à-dire que c'est ça que je vais expliquer évolution. Il y a une évolution qui a fait. Il y a une dynamique. Dans le monde cosmique, je parle de expansion de l'univers. Des galaxies qui ont explosé, qui ont formé d'autres galaxies. Vous comprenez? So, loi ça yo. C'est loi ça, les physiciens, les physicistes, à chercher à expliquer loi physique, comment mécanique ça a fait. Dans la biologie, dans la physiologie, ils expliquent, parce que les timons entrent dans votre, comment zo a formé, la formation des os, de squelette, ça nourrit les squelettes, comment le former, comment crâne timon a formé, comment bagage ça a formé. Comment tout ça yo expliquer tout ça ouais nèg a pèsé expliquer sur le plan macro yo pas laisser ça faire venir avec théorie bing bang nan. Mais il y a une limite quelque part et c'est là tout le problème. C'est là nous pas parler aussi de biogénèse biogénétique. Vous entendez? Biogenèse, biogénétique. C'est-à-dire genèse de la vie. C'est-à-dire généalogie de la vie. Comment la vie vient à l'existence. Comment la vie vient à l'existence. Maintenant, nous devons trouver nos limites. Et je viens de me trouver une limite. Ti boule ça. Ti boule ça qui éclate, qui fait bing, bang. Côté ti boule ça, sorti. Maintenant, c'est la question fondamentale. Comment donner une explication à un phénomène matériel par un phénomène non matériel? Ça veut dire. Comment capable expliquer un phénomène matériel naturel à partir de un phénomène non matériel non naturel? C'est tout l'enjeu et la limite de la science, mes chers amis. C'est tout l'enjeu et c'est la limite aussi de la science. Genèse de la vie et la mort. La vie, la mort. Avant la vie, qui ça qui bat la vie? Après la vie, ça nous relève la mort là? Qui ça qui existait? C'est tout le problème métaphysique, philosophique que la science a confronté. C'est-à-dire la science limitée dans le temps et dans l'espace. Pour qui raison? Parce que la matière pas qu'à exister en dehors de l'espace. C'est-à-dire l'étendue qui boukembel. Et pour exister en dehors de l'espace, en dedans de l'espace, nous sommes en fango espace pour kembel. Mais fango l'est tout, l'était fini à l'existence. Fango commencement. C'est tout le problème de la science.
matière là, pas qu'à exister en dehors du temps et de l'espace. Impossible. Parce que matière là, les composés d'énergie, les composés de masse, les composés de densité, les gros densité, ou pas qu'à des matières sans pas gagner espace étendu qui vous remet. Et ou pas qu'à des matières tout sans que les pas commencer quelque part. Pas des espace sans temps, pas des matières sans temps, pas des matières sans espace. Maintenant, c'est toute la limite de la science. Maintenant, peut-on parler de l'éternité de la science, de la matière? Est-ce que la matière est éternelle? Elle a mal venu avec nous. Bear with me. Comme pour moi, restez avec moi. Menez-nous quelque part. Pour comprendre la bataille que nous avons menée. Est-ce que matière là éternelle? Impossible. Raison qui fait l'impossible pour matière là éternelle, c'est parce que matière là limitée dans le temps, il n'est pas qu'à éternelle. Maintenant, Lavoisier dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mais problème qui est dans la théorie Lavoisier, rien ne se perd, qui est le père de la chimie moderne, Lavoisier, Antoine de Lavoisier, le père de la chimie moderne. Il posait ça comme principe. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mais le problème qui se pose, elle dit rien ne se perd. Rien ne se crée. Tout se transforme. Maintenant, posez une équation. Rien et tout. Posez cette question bien. Le rien et le tout. Le rien fait appel au nihilisme. Ex nihilo. Pas de rien qui a perdu. Pour quelle raison? Pour un bagage perdu, faut l'exister. C'est ça le dit là. Rien ne se perd. Pour un bagage perdu, faut exister physiquement. Rien ne se crée. Pour un bagage créé, attendez ça le dit là. Pour un bagage créé, il n'y a pas qu'à sortir de rien. Après, il dit rien ne se crée. Parce que le rien, c'est le nihilisme, c'est le néant. Et puis il dit tout se transforme. C'est là le raisonnement faussé. Tout se transforme. Là, il dit tout. Il parlait de réalité. Qui subit ce qu'on appelle une transformation en permanence. De l'eau, oxygène. Changer en l'eau, de l'eau, retourner en oxygène, dégager, retourner vapeur. Toutes ces énergies, en d'autres termes, qui ont subi des transformations en permanence. En fait, de qui ça l'a parlé? L'a parlé des lois mécaniques qui gouvernent le monde matériel. Et de ça l'a parlé. Mais le problème qui se pose dans des conditions
et des circonstances, c'est ça d'expliquer transformation matérielle, matière. Mais il y a un problème fondamental qui pose. Tout ça qui se transforme, non? Tu as parlé de la matière, du monde matériel. Tout ça qui a transformé. À quel moment il est venu à l'existence? À quel moment il est venu à l'existence? Parce que pour tout a transformé. Pour tout a transformé. Faut tout à lui-même. C'est résultat de l'autre transformation. Et c'est tout problème. Hein? Pour tout a transformé. Faut tout ça. C'est résultat de l'autre transformation antérieure à toi. C'est-à-dire, loi ça, énonciation ça, il n'y a pas qu'à commencer avec toi. Parce que tout ça, il n'y a pas qu'à avoir une existence propre avec elle, sans que lui-même, il n'y a pas qu'à subir même loi là. C'est-à-dire que, ou pas qu'à expliquer transformation tout ça, sans que tout ça lui-même, il n'y a pas subi même loi qui lui explique, c'est-à-dire transformation. C'est-à-dire tout ça la parler à ces transformations, il y a l'autre bagaille autre que le tout. C'est là le problème. Tout ça, qu'a transformé, c'est résultat transformation, il y a l'autre bagaille autre que le tout. Maintenant, c'est qui ça lié? Et tout problème dans la vie. Qui ça qui t'est transformé, qui baille toi? Au point tout ça lui-même, il est venu à transformer pour le bail. C'est là le problème. Ouais. Que prendre nos dimensions? Ou prendre nos niveau chimie, faire biochimie, ou prendre nos dimensions physiques? Ça c'est la matière. Biologie, physiologie, chimie. Comprendre dans la et physique quantique, c'est toujours même limite là. Même limite là. Maintenant, quand il y a l'importance de l'esprit christique. Et là, oui, cosmogonie en stepping. Ah oui. Où sont les hommes de science? Qu'ils viennent et qu'ils raisonnent. Oui. Que les hommes de science, les scientifiques, qu'ils viennent, qu'ils s'avancent et qu'ils raisonnent. Vin de Fontes. Scientifique quoi? Vin soutenir thèse! Scientifique quoi? Ou cap spéculer? Car la science! Ou pas gagner rien pour signifier quelque chose? Ça, ou commettre un gros erreur sémantique. Le rien ne peut en aucun cas signifier quelque chose. Rien, c'est toujours l'absence de quelque chose. C'est une erreur sémantique liée. Faites attention. Son erreur sémantique. Rien. Par rapport à
quelque chose. C'est une contradiction. Rien par à quelque chose. Ou juste exposer ignorance en matière de sémantique et sémiologie. C'est une contradiction sémantique. Rien ne peut être quelque chose. Jamais. Son erreur. Ou dit rien ici signifie quelque chose. Ou fou ou pas qu'à poser rien. N'a aucune démonstration. Que ce soit raisonnement, que ce soit démonstration mathématique, ou pas qu'à poser rien comme yon valeur. Ça va exister. Ou pas qu'à bah rien, aucune valeur. Même au niveau mathématique. C'est contraire à la logique. C'est contraire à la logique. Rien, c'est rien. Ou pas qu'à expliquer rien à partir de quelque chose. Jamais. C'est une contradiction. Ou pas qu'à dire rien égale à quelque chose. Aristote Abdou menti. Contraire à la logique. C'est-à-dire que même en raisonnement scientifique, le contraire. Même en raisonnement scientifique, oui, le contraire. Parce qu'on les violait ce qu'on appelle le principe fondamental en matière de raisonnement, qui est le principe d'identité. Le principe d'identité. Les violait. Rien n'est pas égal à zéro. Rien n'est pas égal à quelque chose. Parce que toute quelque chose commençait par toujours par une valeur. Avec quel que soit quelque chose là, ou qu'on attribue une valeur avec elle. Pour qu'il y ait une chose, il faut toujours l'absence de rien. De pour parler de chose, c'est qu'il y a l'absence de rien. C'est-à-dire rien n'est plus. Parce que la présence d'une chose terminée avec rien. Depuis vous parlez de l'autre chose ou quelque chose, il est impossible rationnellement pour parler de rien. C'est faux, ça va exister. Logiquement, ça va exister. Son erreur sémantique, son erreur sémiologique, et son erreur linguistique. En fait, il pas répéter bêtises pour faire sa foule dans bon pot et tout. Mais faut chita bongo pour produire une réflexion. Faut apprendre bien. C'est pour apprendre bien. Parce qu'on pose un gros problème de définition là. Parce qu'on pas qu'à réfléchir sans qu'on pas défini. C'est-à-dire cadre, repère conceptuel ou qui est en échoué là-dedans. Parce que si on dit 1 égale à 2, automatiquement tout raisonnement, toute conclusion par le jeune est en faussé à la base, il est en contraire à la logique. Toute démonstration en fait la conduit dans l'erreur. Parce que démarche là, le principe fondamental, le postulat que vous posez comme base sur laquelle vous pouvez appuyer la démonstration là, il est en biaisé à la base. Les viols, les principes fondamentaux en matière de logique. Impossible.
Tenez bien. Maintenant, ces limites là, c'est le nihilisme. C'est le rien. C'est la limite de la science. L'ensemble vide. C'est la limite de tout raisonnement mathématique, scientifique et logique. L'ensemble vide. Ou pas qu'à raisonner sur un bagage sous le vide. Ou pas qu'à réfléchir sur le vide. Ou pas qu'à produire aucune scientificité sur le vide. Faites attention. M'a le fonti parler à vos camarades. M'a le fonti parler à vos frères. Tout discours scientifique, c'est tout discours scientifique se porte toujours sur un objet. D'où la dimension positive de la science. Caractérisée par une objectivité. Parce qu'il ne peut plus, il ne peut y avoir de discours scientifique s'il n'y a pas d'objet. Car le discours scientifique se porte toujours sur un objet. J'ai bien dit un objet. Le discours scientifique ne peut pas être porté sur un rien. Dans la mesure où le discours scientifique se porte sur un rien, il perd toute caractéristique de scientificité. Il n'est plus scientifique. On n'est plus dans le discours scientifique, on est dans la spéculation. On est dans la philosophie, on est dans la métaphysique, on est dans les... Ah là, yaï. Waf, des doubles sous là. Waf, des doubles sous. Il peut y avoir une tentative. Attendez. T'as capable de gagner une tentative de subjectivation de l'objet. De même aussi, il peut y avoir une tentative de d'objectivation du sujet. Ah oui, mais du moment que la nature de l'objet n'est pas de l'ordre matériel, du moment que la nature de l'objet n'est pas de l'ordre matériel, le discours ne peut en aucun cas être scientifique. On est de la spéculation. Quand j'ai dit l'objet matériel, c'est-à-dire me dit l'objet est soumis à nos sens, nos cinq sens, yeux, nez, oreilles, bouche, mains, c'est ça à partir de nos cinq sens. C'est-à-dire notre corps physique qui peut permettre nous expérimenter l'objet. T'aimes bien, oui? Entrer nos rapports à l'objet. Parce que à ce niveau, puisque c'est matière à matière, pour expérimenter, c'est l'empirisme scientifique. L'observation. On n'observe pas on observe avec les yeux. On observe avec l'oreille. Ah oui? Maintenant, ou qu'elle doit aiguiser outils ou prolonger, c'est-à-dire ou venir avec ce qu'on appelle des outils ou inventer des outils, d'où la technique, c'est-à-dire plus pour cette méfiance pour échapper à la perception, cette méfiance de mes sens. Parce que je comprends que sens, moi, à un moment donné, qu'à problème, moi, fais appel à la technique. Moi, utiliser des outils pour manipuler l'objet. Pour disséquer l'objet. Tu m'as expliqué ça, m'a dit encore. Il y a trois principes de base fondamentales pour la science. La République nous a créé en nous. Trois principes de base.
pour faire un travail scientifique. La République nous a créé, nous. Premier principe, c'est l'observation. Premier principe, c'est l'observation. Deuxième principe, c'est l'analyse. Troisième principe, c'est la synthèse. L'homme dit analyse. Je parle de dissection. Ou disséquer l'objet. Ou séparer l'objet. Ou chercher les différents éléments dans l'objet. Je parle de synthèse. Je parle de rassemble. Le fin disséquer l'objet ou séparer, qu'on a rassemblé ou remonté encore. L'analyse, ce sont des outils de l'esprit humain pour Bon, attends-moi. Des méthodes. Ça, on va parler de induction avec déduction. Mais on parle de induction et déduction. C'est-à-dire, on part du général au particulier et du particulier au général. Qu'est-ce que cela veut dire? On parle de général, on parle de la globalité. C'est-à-dire, on parle de l'ensemble. C'est une vision d'ensemble des choses. Le parler de particulier, c'est un élément, c'est une partie, ouais, particulier, une partie d'un ensemble. Maintenant, à partir de cet ensemble, et pour produire, on va essayer de comprendre toute bagarre. C'est une raison qui fait journée et jour à nous, où on a carence en Haïti, côté intellectuel, nous, on n'a pas produire une réflexion globale et systématique de la réalité socio-économique et politique du pays. C'est ça qui fait qu'il n'y a pas une vision globale de la société. Il y a plus analytique. Qu'est-ce que j'entends par analytique? Analytique, c'est-à-dire que il y a plus à parler de secteur. Et c'est un problème que fondamental que il y a. On divise. Ça, c'est l'esprit analytique. L'esprit analytique divise. L'esprit analytique repartit. L'esprit analytique tranche. L'esprit analytique entraîne une dynamique de sectorisation. Et c'est ça, ouais, il a parlé de secteur en Haïti. Tel secteur. Et c'est une raison qui fait qu'il n'y a pas qu'à voir les jeunes là. C'est le secteur, hein? C'est le sectarisme qui pose problème. L'esprit sectariste. C'est l'esprit analytique qui pose problème. Parce que nous n'avons pas l'esprit, ça est holistique. Nous n'avons pas une vision de la société globale. À chaque secteur, son génie. Mais nous vivons nos difficultés là, nous pas qu'à réunir pour nous bailler une réponse globale. Parce que l'esprit analytique take over en dedans société. Nous pas qu'à synthétiser. Nous parlons maintenant, nous parlons de l'union de faire l'avance. Mais gon défi, nous tellement sectorialisés, nous tellement départementalisés, l'esprit analytique tellement take over, l'impossible pour nous maintenant, pour nous capables dépasser, transcender le sectarisme, pour nous transcender. Et ça, oui, problème. Et puis pour nous accoucher une solution globale pour le bien-être collectif. Le bien-être collectif. Ah, une radote, une chita avec macaque. Il m'a dit nous ça déjà. C'est un problème méthodologique en Haïti. Nous avons pas ce CMB. Nous avons parlé, nous avons ce bano. J'observe, j'analyse et je synthétise. Une radote. Ah, nous toujours regarder en bas fait macaque. J'observe, j'analyse et je synthétise. Ah, mon gars, venez à noter. Ah, une bêtise en bas. Ouais, depuis au moins, on juge, on a des deux juges pour la vie. Ouais, depuis au moins, on étudie, on a des deux étudiants pour la vie. Ou pas autant de. Vous êtes piégés. Et c'est même problème, ça nous prend au niveau linguistique et sémantique. Nous piégés par un discours sémantique que bourgeoisie mulaction libanais. La guerre dans la société via les médias. Là où les journalistes ont campé la boutelle, c'était
On nous parlerait les textes secteurs. Nous parlerait les secteurs médecins. C'est un discours analytique. Oui. C'est un discours qui consiste à diviser la société en division, en secteurs. De quoi pour société à Bajam, retrouver ensemble avec une vision globale, avec une mission collective pour accoucher une nouvelle Haïti face avec un ennemi commun. Nous pensons que c'est un petit bagage naïf. Nous pensons que c'est un petit bagage comme ça. Et comme ça, autant de nègres chita, nègres rete, comme ça, autant de nègres paloli, autant de journalistes à Mando, oh oui, nous pouvons parler avec tel secteur. Oh, c'est côté secteur vaudou, côté secteur ceci. Vous pensez que c'est comme ça? Maintenant, posez-vous cette question. C'est le premier moment, mon café analyse en surface. Posez-vous la question d'où? Qui a élaboré ce discours? Discours sectoriel, ça. Qui est-ce qui vient avec elle? Et dans qui optique les vinyle? À quel fait? À quel fait? Yon moun tombe là, yon dou étudiant tombe. Yon moun tombe là, yon dou juge la tombe. Yon moun tombe là, yon dou volé a tombe. Yon moun tombe là, yon dou ou se bourgeois a tombe. Yon moun tombe là, posez-vous la question. Qui est-ce qui quitte héritage ça pour nous? Qui côté discours ça a cocoté? Qui côté le cocoté? Qui côté au cocoté? Maintenant, vous pensez que le discours est neutre? Le discours sectoriel, l'ineutre? Non. Au contraire. Ah, le discours est construit à une fin précise, claire et définie, pour maintenir le petit nègre, le nègre divisé, pour maintenir la division au milieu des nègres. C'est ça lié, oui. C'est ça le discours. Pendant ce temps que les mulattes, les syro-libanais, ils s'entendent très 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 bien. Mais ils ont même une division au secteur. Au secteur vaudou, secteur étudiant, secteur professeur, secteur ceci, secteur cela. C'est l'esprit analytique qui a plongé. Maintenant, ils ont bon équation. Écoutez bien, mes chers amis. Ah, nous fous. C'est la science qui a exercé. Sous vous. C'est une méthode scientifique qui a pété mon bout là. C'est un travail réfléchi. C'est un travail réfléchi, calculé, qui pour servir en fait. Ah oui? Maintenant, je connais la difficile pour transcender. Ah oui? Je connais la difficile pour transcender. Ah ah. Ah oui? C'est ça que les gens commencent avec créole, la grande pile qui saisit. Les gens disent, bon, je dis zozo, je dis coco, je dis poil, des gens qui saisit. Les usus, les formalistes, les aliénés, ils sont étonnés. Pourquoi ils sont étonnés? Parce qu'ils n'ont pas pu apprécier la valeur. La valeur libératrice du créole, de la langue créole. Ils ne sont pas capables. Parce que, laissez-moi vous dire, mes chers amis, je dis ça en français, même pour les aliénés. Les aliens les plus incrédules, ils ont arrivé à cerner. Laissez-moi vous dire, mes chers amis. Saviez-vous que de la colonie, il y avait une multitude de tribus, d'esclaves, de différentes tribus. Les esclaves étaient de différentes tribus et de différents dialectes. Il y avait à peu près plus de 3000 dialectes au sein de la colonie, dans les champs. Maintenant, ça me dit, c'est-à-dire au niveau linguistique, il était quasiment impossible pour les esclaves de communiquer, d'échanger. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le génie des nègres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont élaboré une langue commune qui est le créole. Pour arriver à élaborer langue ça, ils ont pu transcender. Ils ont transcendé langue dialectique là. Ils ont quitté langue dialectique là de côté. Ils ont quitté dialecte là de côté. Ils ont quitté langue là de côté.
Maintenant, la première j'aime me poser pour la naissance de la nation haïtienne, première j'aime me poser pour la naissance de la nation haïtienne, c'est la langue créole, qui est une langue révolutionnaire. Ah, on a pas parler de créole, sans qu'on des créole. Mais bouchou, fait macaque. Pas comprendre la valeur ni la portée de la langue créole, fait macaque. Tu te connais pas le créole. Et tout contre passe au tabou fait quoi créole. Tu te comprends va le créole. Et tout contre passe au tabou fait. Parce que le créole, a, la langue créole a une histoire. Il a l'idée de généalogie. C'est ça pour cerner. Oui. C'est cette valeur historique. Oui. Pour bailler la langue. Maintenant, je me comprends pour que je me dis, bon, je suis coco, pour la guette, c'est si c'est là. Non, je me comprends. C'est pour stimuler l'esprit aliéné, qui a pas parlé par les Français. La nation haïtienne, elle fait une thèse. Une thèse. Et Maniga qui a avancé. Moi, je suis Maniga. Maniga dit que nous avons accouché un État, mais nous n'avons pas encore accouché une nation. Moi, je suis Maniga de revers de mai. Moi, je te thèse, Maniga. Ah, on va venir à d'autres, ou accoucher. Nous avons accouché un État, mais nous n'avons pas accouché une nation. Ou la nation haïtienne est en conformation. Non, cher. Ça va, monsieur. Moi, je te thèse, ça de revers de mer. Nous avons construit, les esclaves ont construit une identité. Identité culturelle et linguistique. Ils ont construit une langue. Ils se sont doté d'une âme linguistique. Et puis, il y a parlé entre eux. Il y a arrivé à transcender la différence. Non? Ah oui, équation que blanc français te baillot, il y a résolu à travers la formation de la langue créole. La crase, c'est le génie des négros qui travaillent. Il faut respecter ça. Il faut parler de. Alors, c'est un élément fondamental pour déterminer la nation haïtienne. Et peut-être ça nous tellement imbécile, et peut-être ça nous mettait le français comme langue officielle dans le pays d'Haïti. Tellement nous sortent, tellement nous imbéciles, tellement nous conseillons des intellectuels senti caca dans le pays. Tellement nous conseillons des intellectuels John Bobot qui est le tête intellectuel. Et puis nous avons nous pas une nation. Pas une nation. Si pas une nation, nous devons prendre l'indépendance, non? Si pas de bon identité commune, nous devons fucking pour l'indépendance. Soit imbécile, ou sous-estimer l'effort colossal de nos ancêtres pour accoucher 1804. Comment t'as pas communiqué? Comment des salines t'as pas communiqué avec vous? Comment t'as pas communiqué avec vous? Comment t'as pas chit pour faire pack là pour accoucher 1804? Imbécile, on a l'imbécile pour poser étudier dans la grande université et puis au sort. Ou pas qu'il est. Écoutez bien. Ou pas qu'il est. Connais la voix. Nous pas qu'il est Israël vino état. Nous pas qu'il est Israël vino état en 1848. En 1948. Israël est devenu un état en 1948 après la deuxième guerre mondiale. Mais Israël a toujours été une nation. Il a toujours été une nation. Israël a toujours été une nation. Israël a une langue qui est l'hébreu. Il a une langue hébraïque. Si je me fais macaque, il a une identité culturelle. Il a une identité nationale. Avant de venir au État. Mon égal, mon imbécile, je t'ai parlé caca, nous tellement vin aliéné, nous pas valoriser créole là, nous pas mettre créole là au centre de nos revendications, nous tellement zombies, à venir parler de français, c'est si c'est la macaque, dans l'intellectuel tête poule, folie intellectuelle, le macaque, et comme j'ai commencé, et là l'homme commencé avec live là, ouais, m'a dit quoi ça. Mais on dit, nous m'a mené nous côté. Mais on dit nous comme ça. Bon, pourquoi? Comment faire on nègre et intellectuel nous a péché dans le pays comme ça? Y'a les grands intellectuels,
Yo elle n'a qui c'est si on t'est non filmé ou Jacques Oumen, c'est si c'est là oh Macbazin, c'est si c'est là yo des PhD, yo écrit livre, ça comment faire échouer comme ça, yo pas capable système. Comment yo pas capable produire yo pensée qui pour résoudre problème système là. Ah va venir faire adopter. Ah on va faire adopter. Je vais vous avec nous. Je ne vais pas parler avec n'importe qui. Je vais faire discussion avec nous. Ouais, bébé 19. Ouais, esprit libre qui est dans le mouvement. Ton écrasé, mon douce. Pas de nègre en Haïti pour camper devant. De pour passer dans la classe. La foutue méthodologie dans le bobo. Pas de nègre. Il mette des pièces qui sont tout craque la guette pour camper devant. Moi, je vais faire douce. Tout le monde est à vous faire quoi? Moi, je suis au débat. Je suis au débat. Je suis au débat. Obtenu. Quel que soit le domaine, nous spécialisons là-dedans. Quel que soit le domaine, nous spécialisons là-dedans. Ouvrez les têtes pour bon là-dedans. Voilà les plus loin avec nous. Ah, mais nous, là-bas, nous trouvons dimension. Ah, la moutre là. Yo transcendé, esclave yo. Yo pas de PhD. Yo pas de doctorat. Yo pas de ceci. Yo transcendé. Yo accouché. Attendez, yo accouché. Yo langue. C'est plus belle Ève. Esclave yo. Ancêtres nous étaient accouché. Avant l'indépendance. Avant 1804. On est capable d'adoter, radoter à bouche ou faire radote. Avant 1804, plus belle œuvre que Négoté a accouché, ils se sont armés, ils se sont dotés d'une langue. Avec une parole, tu as dit 1800-400 langues créoles. Fais macaque. Fais au doux comme ça, c'est en français, des salines de bail l'autre là, oui. Ou pas comprendre? Ou pas comprendre, je vais être là. L'année de l'Abdououi de Saline dit que tous ceux qui veulent vivre libre, qui s'arrangent, que tous ceux qui veulent mourir en esclavage, qu'ils sortent du bas. Qui l'a de Saline de dire ça en français? Et peut-être ça y est bon français, oui, comme langue, pour raconter votre propre histoire. Ou pas ce blanc imbécile, ou pas ce blanc français imbécile, il faut comprendre que c'est langue créole là qui t'est accouché 1804. Imbécile, ou pas ce blanc imbécile. Nous même l'on saute. Il faut dévaloriser l'angle créole là. Ou t'es gagné 1804 l'angle créole là. Comment est-ce qu'on veut pas faire parler? Entre vous. Comment est-ce qu'on veut pas faire chita? Entre vous. Ou a parlé de l'union fait la faute. De qui l'union a parlé? Ou pas qu'on est pour chita, pour fort. Pour chita, pour nous genou à corps. Pour deux moun chita, pour nous genou à corps. Faut jouer nous à cause. Faut qu'on communique d'abord. D'où la nécessité d'une langue commune. Faut qu'on communique d'abord. Faut qu'on comprenne l'autre. Oh, l'union fait la force. L'union fait la force. L'union fait la force. Comme si l'union c'est dans celle des autres. L'union est dans celle des autres. L'union fait la force. Dans celle des autres. Et dans celle l'union des autres. Comment est-ce que va faire chita? Si on parle de transcender la différence linguistique que vous avez. Si on parle de transcender la différence linguistique pour accoucher une langue commune. Comme on a fait chita. Alors, il y a une production, c'est des réflexions tête. Mais les toutes les livres, toutes ces réflexions, Bouddha crabe. Il y a un dalle qui dit, il y a écrit livre, PhD, docteur. C'est si c'est ma plus nègre. On a un livre tête bobot même. N'est-ce pas un découragement? Pas demander est-ce que n'est-ce pas jamais, pas jamais lire une série de gros livres? Pas demander n'est-ce pas qui livre au lit? N'est-ce pas qu'on appelle tout comme ça? Dessaline dit. Oh, je vous remettrai là. Oh, Christophe dit, je vous livrerai la ville que lorsqu'elle sera réduite ensemble. Qui est Christophe te dit ça en français? Qui est Christophe te dit en français?
Nous pensons que blanc français est imbécile. Qui le Christophe qui a été tout français pour le dire. Oh, Dessalines dit à l'indépendance là. Oh oui, Baron, je te charge d'esprit, mes mêmes sentiments à l'égard des blancs qui l'est. Côté Dessalines, te joignent tout. T'es quand on est là, il y a tout français ça. Eh bien, quand on va le dire, il va parler créole. Ah, ça! C'est net, non? Moi, pour quelle raison nous raillons? Moi, pour quelle raison? Moi, quand on est malade dans notre dimension, dans notre niveau, même, c'est ça l'élève, moi, tu peux comprendre la dimension ça. Maintenant, est-ce que ça t'a piégé? Moi, pour que nous ça fait piéger. Nos intellectuels, comment vous piéger? Parmi de nous, ça fait piéger. Après ce que je viens de faire dans les CID, si les citoyens d'ici ne se soulèvent pas, c'est qu'ils ne sont pas des hommes. Qui l'est? Côté des salines, de toute France, c'est le bobot ça. Mais qui sont les machins des salines, non gros beaux sales. Qui connaît les gens de toute France, c'est ça? C'est ça fait au doux, Kaonabo te dit. Oh oui, Kaonabo. Kaonabo. Kaonabo avec espagnol yo et puis au doux ça et Kaonabo fini en prison à Isabella et quelques mois plus tard en Blacky et puis ou même ou quoi vrai français pote quand même sur territoire non français pote quand même sur territoire non et puis au doux Kaonabo dit oh oui et puis au doux comme ça Henri n'a fui Henri Cassique Henri dit Cassique oui nous tenons Cassique oui et puis au doux français pote quand même vini regardez français pote quand même vini en dedans non. Mais bien nous comme ça en français, Cassique dit comme ça, dit las casas comme ça. Oh, allez remercier Dieu du fait que je vous ai laissé la vie et ne revenez plus. Qui l'a dit ça en français? Qui l'a bon, on est à dire avec espagnol et puis les doux mais ça l'a dit en français. Et bien vous-même vous croyez oui. Comme si Henri te valait français. Vous-même vous croyez oui. Et bien, on a qui ça a dit, oui, dans le baccalauréat. Et vous mettez, allez remercier Dieu, ou écrit lui. Nous faisons payer ça du tort. Eh, on a voulu être Dieu. Nous faisons payer ça du tort. Problème tout qui fait les gens diaboliser Vodou. Moi, je montre nous ça, ça veut dire l'esprit christique là. Tout le monde va comprendre. Moi, je montre nous comprendre. Je mettez Vodou face au christianisme parce que nous ne comprenons pas. On a maintenu le niveau. Pas de création. Écoutez, pas de création, sans parole. Ah oui? Et pour parole la créer, faut qu'on langue. Pour parole après il fait, faut énoncer, faut commander. Il ordonne et la chose arrive. Ah, on l'a dit, monsieur malgré avant. I bought it. Est-ce que nous là, des monde qui dit pas question, est-ce que pas question? Est-ce que nous t'entendez? Est-ce que y a des sons? All right. Maintenant, nous venons comprendre les portes de langue. Parce que à travers une langue,
ou exprimer une pensée. C'est à travers un langue pour l'esprit dégager une énergie. Amener une dimension mystique là avant là. Et là, nous ne pouvons pas comprendre ça de 1804 là. Ah, venir adopter, venir bêtiser. Ah, venir adopter. C'est à travers une langue. Pour l'esprit ordonné. C'est à travers une langue. Pour l'esprit libérer énergie. Ça me l'a dit. Les esclaves, nos ancêtres, étaient dans des chaînes physiques. Mais au niveau de l'esprit, ils étaient libres. Ils n'étaient pas aliénés au niveau de la pensée. Maintenant, pour yon dégager énergie créatrice, ça. Pour yon délâcher l'esprit christique, ça. L'esprit libérateur, ça. L'esprit qui dit, il ordonne et elle existe là. L'esprit qui dit, il parle et la chose arrive. Tenez-moi, oui. Il parle et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Pour parole là, vinché. Pour 1804 la manifester, il faut une langue. Pour l'esprit qui a dégagé synergie, pour dégager énergie créatrice. L'esprit christique là, t'es là. Eh bien, vous allez comprendre. Ces acteurs vont comprendre le miracle haïtien. Les scientifiques parlaient de accident, mais moi je vous dis le miracle haïtien. Parce que il n'y a pas capable aucune explication scientifique pour lui. Événement 1804, il n'y a pas capable. L'impossible pour expliquer. Pour un petit groupe nègre, esclave, non chaîne. Arriver défier l'empire le plus puissant de l'époque et bouleverser l'ordre mondial des choses. Ça va jamais fait dans l'histoire. C'est un miracle. Pas aucune explication scientifique au cabal. Il y a parlé de certains, on parlait de accident historique. Oh, c'est un accident historique. Yo essaie d'expliquer maladie, ceci, cela, yo tête au chaud. Eh bien, t'as dit notre bagage. L'esprit christique là, c'est l'esprit qui fondait sous l'amour. L'esprit christique là qui était dans l'esclavage, c'est l'esprit qui transcendait le temps et l'espace et la matière. Et là, je te retourne. Et peut-être ça, vous me faites dans la science avec nous. Et peut-être ça, vous me montrez nous les limites de la science. Parce que la science, pas qu'à expliquer phénomène ça. Il y a une dimension surnaturelle. N'est-ce pas qu'à expliquer. C'est peut-être ça, vous me montrez que l'intellectuel nous envoie caca. Il résonne. Il résonne. Il a résonné. Si on a l'esclave qui va qu'on lit, qu'on écrit. L'esprit critique le chita sous l'amour. C'est l'amour. Même. Mais le chita sous un bagage qui est plus grand. L'homme dit l'esprit critique là, me parler de l'imagonei. Ce que les esclaves ont compris. Yo connais bien que yo fait à l'image de Dieu. Yo gen imago de la kayo. Et en tant que tel, li impossible pour image de Dieu nan yo, pour Christ nan yo, pour yo nan chaîne, li impossible. De bagay ki wrong. Ils avaient le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. L'esprit Christ là, la canne, il dit,
gen yon bagay ki pa normal. Gen yon bagay ki pa mache. Image mwen nan ou? Ou pa ka nan chen? Parce que l'esprit doit dominer la matière. Aïe, aïe, aïe. Les esclaves ont gardé, yon wè chen nan men yo, yon wè chen nan pie yo, yon maltraité yo, condition pa bon. Il y a un sentiment à l'intérieur d'eux-mêmes. L'esprit critique se révèle en eux. Il dit, écoutez, l'impossible pour soumettre à la matière. L'impossible pour soumettre au monde sensible. L'impossible pour soumettre avec sa yeux baou, sa oreille ou tande, sa pied ou baou, regardez pion ou chaîne la dan. Les nèg regardez meilleur ou chaîne la dan. Les regardez ou nèg azam campé, yo ou militaire campé à gauche à droite. L'armée française puissante. L'impossible. Et nèg pas de soumettre l'esprit yo au cinq sens. Yo pas de soumettre l'esprit à sa yeux ou baou. Yo pas de soumettre l'esprit à sa yeux tande. Tant de Napoléon a fait en Europe. Yo pas te soumettre l'esprit avec ça. Le a gade chen nan men yo nan pie yo. Non. Ah oui. Yo pas te soumettre l'esprit yo. Maintenant qu'est-ce qu'ils ont fait? Et là, vous comprenez. Yo reconnaître que puisque yo créé à l'image l'imago dei qui la kayoa, l'esprit christique qui la kayoa, fait yon konne que gon bagay qui impossible, gon bagay qui pas normal. Yon konne, chaîne non pas la vérité, chaîne esclavage la pas la vérité. Yon konne, c'est injustice yon subi. Or, l'esprit christique là, c'est l'esprit de justice. Sur l'esprit d'amour, sur l'esprit de vérité, sur l'esprit de paix, sur l'esprit de vie. Mais à partir de là, l'esprit se réveille en eux. L'esprit dit, écoutez, pas inquiétez-vous de chaînes. Maintenant, il faut dominer sur la matière. Ah oui, c'est ça fait au le miracle, oui. A fait ouler le miracle. D'abord ouler le miracle. Parce que Christ, l'esprit Christ contre l'injustice. Parce que l'esprit Christ contre le mensonge. Parce que l'esprit Christ n'a pas mélangé avec l'exploitation et la domination. Dans l'esprit d'amour. L'humanité, le monde d'alors échoué sur le plan moral. Écoutez mes chers amis, aujourd'hui je vous donne une vérité éternellement vraie. Le monde d'alors, c'est un monde immoral. Parce que le monde d'alors était dominé par l'esclavagisme et colonialisme. C'était un monde inhumé. C'était un monde immoral. C'était un monde qui était sans justice. C'était un monde pas qui rien la donne. Où t'es à juger de pur, de saint, de bon. Le christianisme, c'était une religion d'aliénation. Mais le Christ, le christianisme était sans Christ. Le christianisme était sans Christ. Et à fois, ouais, l'autre, du coup, ça, là, Jésus disait, lorsque le Christ, Jésus a dit, ils viendront en mon nom. De qui ça, il t'a parlé, là? C'est de christianisme, il t'a parlé. Parce qu'il dit, beaucoup viendront en mon nom. Ah oui? Ah ouais? C'est le christianisme dont il parlait. Ils viennent dans nos Christ pour mettre en esclavage. Ils viennent dans nos Christ pour détruire la vie. Ils viennent dans nos Christ pour rabaisser. Ils viennent dans nos Christ pour y humilier. Mais Jésus, le Christ, t'a dit ça. Parce qu'il connaît le diable. Il connaît le diable qui a déguisé un ange de lumière pour séduire. Il a porté le christianisme, bah ou mais sans Christ.
Vous avez été converti au christianisme, mais vous n'avez pas été converti en Christ. Ah oui, parce que Christ se révèle en ses enfants. Mais attention, la Christ Campbell dit comme ça, dans Luc, chapitre 1, il dit, les ouvert livre là, il dit, écoutez, même si on Christ, les ouvert livre là, il dit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a ouais pour annoncer une année de grâce. Il m'a dit pour mettre mon nom chaîne. Mais mission Christ est sur la terre. Attendez. La guité moun pas son nom bêtise. A vin confondre Christ avec le christianisme. Jésus n'a pas fondé une religion. Jésus a fondé une église. Maintenant, nous qui pour nous répéter devant pour nous connaître l'église. Une année de grâce. Une année de délivrance pour libérer les captifs. Mais mission, monsieur, l'esprit en descend sous lui pour libérer les captifs, pour l'annoncer une année de grâce, pour délivrer les malheureux. Eh bien, on garde pour nous qui est-ce qui est dans la condition ça. Wow! Chers amis, on garde pour nous. Mon abindou. Non. L'esprit du Christ par aimé injustice. L'esprit du Christ par aimé exploitation dans les camarades. L'esprit du Christ par aimé aliénation. C'est un esprit de liberté lié. L'esprit de Jésus-Christ est descendu pour libérer. Les libéraux au niveau mental, les libéraux au niveau physique. Avec le Christ, on a accompli l'impossible. Après, il y a quelqu'un qui a demandé comment messieurs ça, ou petit messieurs ça, ou qui ça a fait là. Petit messieurs ça, ou il est fou. Oui, c'est une folie. Où est-ce que nous avons 10 000 mounes en bas là? Où est-ce que nous avons 10 000 mounes là? Où est-ce que nous avons 5 000? Non. Royaume ça qui m'a prêché là. Royaume l'évangile libératrice ça. Porte la très étroite. La porte est très étroite. Parce que nous avons une mission. La porte est très étroite. Très étroite. Et le chemin est caillouteux. Chemin chargé à piquant. Chemin en caillouteux. Parce que des portes qui sont plus faciles. Des portes qui sont plus faciles. Des pile potes qui est plus facile sous fait cela. Ah oui? Ah oui? Il y a que vos distraits. Car je vous le dis en vérité, si le Christ vous a franchi, aïe aïe aïe, si Christ n'a libéré, c'est que vous êtes réellement libre. Vous comprenez qui m'a remis réel là. Il m'a dit si le christianisme vous a franchi. Non! Il dit si le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Écoutez, à montrer nous clair. Vous savez, moi-même, Luc chapitre 4, là, en pile. Vous ne pouvez pas comprendre la portée mystique. Bataille n'a pas mené. Vous ne pouvez pas comprendre ni. Ben, cela se comprend. Cela se comprend.
Et on lui a remis le livre du prophète d'Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ah oui? Pour annoncer une bonne nouvelle aux qui? Aux pauvres. Ah! Aïe, aïe, aïe! Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ah oui? Pour proclamer aux captifs la délivrance. Qui ça au captifié? Au captif, c'est mon qui n'enchaîne. Ou qui doit avoir une chaîne morale, ou qui doit avoir une chaîne mentale, ou qui doit avoir une chaîne spirituelle, ou qui doit avoir une chaîne physique. Pour annoncer une année de grâce. Il y a des problèmes avec moi. Et mon avindou, il n'y a pas associé Christ, Jésus-Christ, avec christianisme, catholique, protestant. Couille de seule façon pour connaître l'esprit de Christ dans le monde et pas dans la religion. Seule façon pour connaître l'esprit de Christ dans le monde, c'est le monde qui campait pour défendre les gens qui pauvres, qui n'ont nécessité. Et les gens qui campent, qui remontent moral, les gens qui veulent. C'est les gens qui campent, qui ont condamné l'injustice, qui ont dénoncé mauvaise pratique. C'est les gens qui ont bataillé pour libérer les gens qui sont en captivité. Ça, et les gens qui ont Christ la caillou. De vous arriver dans le niveau ça. De vous arriver dans le niveau ça. Qu'on est où c'est Dieu. Aïe, aïe, aïe. Et ça la voix j'ai dit là. De vous arriver dans la dimension ça. Ou bon esprit d'amour. Ou bon esprit de justice. Ou bien l'amour de la vérité. Ou bien l'amour de la justice. Ou bien l'amour pour la vie, ou respecter la vie, ou valoriser la vie, ou remer moun, vous êtes un Dieu. Ah oui, ou étonné, ou saisi, que nous sommes Dieu, ou son Dieu. Parce que vous êtes de la race divine. Vous êtes de la race divine. Vous avez l'esprit de Dieu en vous. Ou gagnez l'imago de la caillou. Et pour gagner l'imago de la caillou. Vous avez l'image de Dieu visible en vous. Vous êtes Dieu. Et Dieu, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. C'est Dieu qui déclare au Dieu. Vous avez l'inventier. Et moi, tu m'as fait. C'est Dieu qui déclare au Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu, mais moi qui nous c'est Dieu. C'est Dieu qui nous c'est Dieu. Et bien, n'importe qui nous c'est Dieu. Agitez mon avis, passons en bas bêtise. C'est Dieu qui doux, c'est Dieu. Les dieux doux, c'est Dieu, c'est Dieu. Et la capri dit, comment faire Dieu, c'est. Comment faire Dieu, c'est Dieu. Et Dieu qui doux, Dieu. Dieu, somme 82. Dieu se tient de l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Il juge au milieu des dieux. Ah, faites attention. Ah, on a l'autre dimension. Nous avons dit nous l'aime quitter scientifique là. Moi, je vais nous limiter scientifique là. Moi, je montrer nous limites scientifiques là. Puis monter avec nous dans la dimension métaphysique là. Montrer dans la mystique là avec nous. Montrer dans la spiritualité avec nous pour comprendre qui est souillé. Parce que c'est ça que fait
yo marcher sous, yo piétiner ou. La fois fini qu'on ça va qui va. Ou pas de force, ou pas de conviction. Ou pas de caractère, personnalité ou crasé. Moral ou fini, dignité ou fini. Et parce que vous n'avez aucune idée de qui est-ce qui est. Ah oui? Yo, c'est ça fait leur besoin de détruire, yo volé identité. Yo volé identité, yo faut perdre confiance dans qui est-ce qui est. Ça c'est le connaître entre même, fondement même de la philosophie occidentale. Fondement même de la philosophie occidentale. C'est Socrate qui le pose comme principe de base, le connaître à toi-même. Parce que moi, la ténèbre, toujours, moi, l'ouvrisil. Et parce que le carré zoné. Moi, le pon, le vie, Ricardo. Moi, fais ça pour vous, parce que moi, vle. Moi, faut faire avec ça. Vous dites qu'on s'en démarque à citoyen, vle faire en Jésus religion, te cabon. Oui, mais faut que l'État montre en dehors de la Bible. Ou l'ignorance. Ou juste exposer l'ignorance ou encore une fois de plus. Et après, me dit nous, là, ou bien en bas, là, il m'a dit, chill bobo tout. Chill bobo tout. Là, ou bien en bas, là, il m'a dit. Le problème, ça nous vient. Avec si connaissance, nous fouillons dans le brin nous. Nous pas même question de connaissance, et vous juste venir blâiller ignorance en bas, là, il m'a dit. Nous toujours aimons vivre monter sur ça, nous pas maîtriser. Parce que ignorance ou tellement haut. Et vont-ils parler avant? Vous dites pour remettre la Bible de côté? Bon, mon seul côté en dedans, sortez les Bibles ou un mot Bible écrit. Ignorance ou fort pile. Ignorance est tellement fort. Pourquoi est-ce qu'on sort écrit? Bon seul côté. Bon seul passage. En dedans. Sort les Bibles. Où est mon Bible écrit? Où tu me mettre la Bible de côté? Je me mettre de côté. Mais mon seul côté, où est-ce la Bible? Non, ma fille fait ça et puis m'a bloqué pour ignorant. Vous comprenez raison? Ou pas, ou mettre pas. Fait toute page là-dedans, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ou pas, ou mon Bible là-dedans, vous comprenez raison? Parce que le réel est tête, les saintes écritures. Et qu'on a réalisé la tête. Il va réalisé la tête, la Bible. Maintenant, si tu as un petit minimum de connaissances avant que tu aies venu exposer bon bon tout, tu n'as pas cherché qu'on est à quel moment tu as réalisé la Bible. Et qui est-ce qui te balle dans la Bible? Et pour qui raison tu as réalisé la Bible? Au lieu de aucune belle dimension, j'en réalisé la tête, les syndicatures. Même ça, tu n'as pas fait la différence. Ou tellement par la différence, et vous venez adopter. Vous venez exposer. Non, le bagage détourne, mon camarade. Jamais de la vie. L'esprit qui a guidé, mon ami, c'est le bagage détourne. Ah oui, maintenant, toujours, je vais vous montrer comment les gens viennent à bailler l'ignorance, à venir exposer Bobo. Non! Détourne. Ouais, vous parlez qui est-ce qui a parlé là? Et tout né? Mais où faut? Non. Maintenant, puisse
son bagage pièce koto ou elle marqué Bible en dedans les saintes écritures quand on t'a pas demandé qui ça veut dire saint écriture qui ça qui est de saint dans les écritures. Oh, il y a les écritures sacrées et les écritures profanes. Ou font approche séculaire des écritures. Une dynamique de sécularisation. Mon ignorance est corrigée. Ou beaucoup qu'à faire arrogance parce que beaucoup imbue. Ou beaucoup versé. La femme dit nous faites attention avec la langue, surtout la parole à utiliser. Faut maîtriser chaque mot. Faut maîtriser chaque mot. Chaque concept. Vous savez que le concept c'est un outil opératoire de l'esprit. Faut maîtriser chaque concept avant énoncer. J'ai bien dit maîtriser avant énoncer. Parce qu'à chaque fois ouvert bouche ou produit ils ont pensé, c'est toujours c'est énoncé ou énoncé. Et l'on énoncé ou toujours énoncé à partir de yon position. L'homme dit position, c'est-à-dire à partir de yon champ, soit doctrinal, soit un paradigme, soit en théorie, soit yon point de vue. Vous comprenez ça? Qu'on a fait mes bobotos. Fais mes bobo tout. Ouvre l'esprit ou. Pour apprendre. Avant de mettre la Bible de côté. A reformuler la question encore. A reformuler ce que tu dis encore. A reformuler ta pour moi qui te fait un minimum d'études. Et puis qu'on y a, m'a abondé à vous. Le capable de maîtriser son formule, j'en formule. Ah, on lui a vu exposer l'ignorance. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Il juge au milieu des dieux. Il dit jusque Jacob, jugerez-vous avec iniquité. Aurez-vous égard à la personne des méchants. Rendez justice aux pauvres et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux. Et pour raison ça, Christ est venu. Rendez justice aux orphelins. Rendez justice aux faibles. Et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Et c'est le Dieu qui est là. Et c'est le Dieu qui est là. Il se tient de l'assemblée des dieux. C'est ça t'expliquer. Qui fait Jésus venu. C'est après le jugement ça, Jésus venu. Le Christ est venu parce que les dieux ont échoué. Les petits dieux, les dieux avec minuscules ont échoué. Parce qu'ils n'ont pas ma justice quand ils doivent ma justice. Ils n'ont pas aidé les gens qui faibles. Ils n'ont pas aidé les orphelins. Ils n'ont pas aidé les malheureux. Eh bien, Jésus lui-même descend. Il dit, Dieu m'a oué, l'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour qui raison une bonne nouvelle? Parce que, nèg qui te Dieu, il te déclaré Dieu, nèg ça yo tombé dans l'iniquité, nèg yo a pris combat en bas, nèg yo a fait commerce avec la justice. Nèg yo fait commerce, yo associé avec nèg k'ap dominé malheureux, yo associé avec nèg k'ap dominé orphelin, yo associé avec dictateur économique yo, yo associé avec dictateur politique yo, yo associé avec et puis yo pa ka rendre justice.
yo pas qu'à aider, pas de lumière. Pas de lumière. Pas de saveur dans le discours. Dieu yo tombé. Et puis il dit, et pourtant, j'avais dit que vous êtes de Dieu. Oui? Les dit, m'te le Dieu, oui? M'te considéré autant que Dieu? Et il dit ça, oui? Qu'on aura qui rapport avec mon qui remet la justice? Mais vous remet la justice, c'est Dieu, oui? Ou c'est fils de Dieu? De vous remet vérité? Ou c'est fils de Dieu? De vous remet ou gen l'amour la carou? Ou pas remet injustice? Ou c'est fils de Dieu? Ou pas aimer moun k'ap fè moun abus, ou c'est fils de Dieu. Ou pas aimer moun k'ap marcher sous moun, k'ap oppresser moun, ou c'est fils de Dieu. Ou pas aimer nèg k'ap kembe tout bagay pou fè moun abus, ou c'est fils de Dieu. Mais du moment que ou associé avec le mal, nan commet injustice. Ou associé avec le mal, n'a commettre actes criminels, méchanceté, n'a fait du tort avec mon qui faible. Ou pas Dieu encore. Texte a dit, vous tombez. Et pourtant, vous tombez comme un prince quelconque. Nous devons aller plus loin avec nous. Pour quelle raison dit vous tombez? Et pourtant, vous tombez comme un prince quelconque. Pour quelle raison dit vous tombez? Comme un prince quelconque. T'as des moyens. Faut y exercer ces éthiques avec nous sous passage ça. Parce qu'il passe à sa fort. Elle dit, et pourtant vous tombez comme des princes. Comme des princes quelconques. Comme un prince quelconque. Prince ici. Vous, lui dit cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Mais attention. Lorsque fils de Dieu, ou bien l'amour de la justice, ou bien l'amour de la vérité, ou bien l'amour pour la paix, ou bien l'amour pour la vie, ou pas tomber, ou pas mourir comme un homme. Maintenant, posez peut-être une question comme des hommes. Comment on ne fait pas mourir comme des hommes? Et pas homme mouillé et tout? Non! Ou sont hommes, mon pas n'importe homme. C'est ça que tu dis comme des hommes. La parler de hommes qui sont soumis à la matière. Elle dit, écoutez, lundi Adam, tu es homme, tu es poussière, tu retournes à la poussière. Et puis il dit, serpent, nous te mbaou, poussière là pour manger. C'est-à-dire que tout homme qui a tombé, c'est homme qui sont domination serpent. C'est homme qui tombe. Vaille que vaille. Mais moun, qui fils de Dieu, il n'y a pas qu'à tomber. Vaille que vaille. Jamais. Ça va exister. Seule façon pour tomber. Vaille que vaille. Elle dit ça. Seule façon pour tomber vaille que vaille, c'est leur commencer à associer dans le mal. Ou commencer à appeler injustice, justice. Ou commencer à appeler mal, bien. Ou commencer à tomber dans flatterie. Ou pas vouloir dire vérité, ou dire vérité, mensonge. Ou elle est mensonge, vérité, ou elle est vérité, mensonge. Avec du tomber dans l'iniquité. Ou vine amoral. Vous perdu le sens de la justice. Vous perdu le sens de la vérité. Vous perdu le sens. Vous venez perdu saveur. Vous venez perdu saveur. Vous venez perdu lumière. Vous ne pouvez pas qu'à mettre en l'air encore. C'est un bord parce qu'on ne peut pas briller. Vous venez tourner en vendu. Vous venez tourner en esclave du mal. Vous venez tourner en sous-homme. Vous venez tourner en sans caractère. Vous venez tourner en sans personnalité. Vous pas digne. Écoute ça, Fanny, dans toute bagarre là. Il dit, vous tomberez comme un prince quelconque. Elle dit, pour quelle raison dit prince? Elle dit, même là où est mon position d'autorité,
même là moun nan en position lire les têtes li ministre lire les têtes li président lire les têtes li sénateur lire les têtes li député lire les têtes li quel que soit genre statut que te ka gen social en dedans société a depuis le pa gen l'amour de la vérité de la justice depuis le pa gen l'amour de la paix lire les injustices justice lire les vérité mensonge lire les la paix li pa gen ba quoi me souffler mes chers amis ou a tomber tant qu'on presse même l'autre des statue presse ou a tomber et comme dit tomber là ça me dit voilà leur société tant que société haïtienne non. Vous avez des individus qui dilapidaient 4,6 milliards de dollars. Vous avez des individus qui prennent comme Petro-Caribé, ils ont dilapidé. Ou un groupe nègre qui prend comme reconstruction après une catastrophe naturelle, tremblement de terre fin passé, ils ont crasé. Le grand groupe nègre est dans la société là. Qui quitte l'économie, pays en otage. Et puis, on impose une dictature économique en dedans dans le pays. Et vous chita, vous relevez tout prince. Vous relevez tout ministre. Vous relevez tout président. Vous relevez tout sénateur. Vous relevez tout député. Vous relevez tout juge. Vous relevez tout procureur. Vous relevez tout magistrat. Vous relevez tout X. Vous relevez tout Y. Mais il y a un problème quelque part. Qu'avez-vous fait de la justice? Qu'avez-vous fait de la vérité? Qu'avez-vous fait de l'amour du prochain, de ton frère? Et pour raison ça, je ne vais pas faire. Et pour raison ça, je ne vais pas associer. L'esprit libre, je ne vais pas compromettre. Il m'a godé qui la caméra. M'a voulu faut tomber comme un homme quelconque. M'a voulu Dieu prononcer jugement ça contre moi. M'a voulu Dieu camper pour le dire. J'avais dit que vous êtes un Dieu et pourtant vous tombez comme un homme quelconque. M'a voulu Dieu dire. J'avais dit que vous êtes un Dieu et vous mourrez comme un homme quelconque. Vous tombez comme un prince quelconque. Non! Si tout le monde tombe dans l'injustice, si tout le monde appelle l'injustice, justice, et nous-mêmes qui ça l'a fait, où sont les fils de Dieu? Quand des fils de Dieu, quand des fils de Dieu qui doit camper pour la justice, quand des fils de Dieu qui doit camper pour la vérité, quand des fils de Dieu qui doit camper pour moun qui malheureux. Côté fils de Dieu, qui doit camper pour moun qui n'a nécessité. La gloire, les honneurs de la terre, c'est perte et chimère. Peut-être que vous ne pas comprendre. Dimension là. Où sont les fils de Dieu? Leur société a effondré. Où sont les fils de Dieu? Eh bien, je dis à l'Esprit du Christ se révèle en nous. L'Esprit du Christ se révèle en nous. Eh, Amandé, comment tu monsieur ça, on fait comme ça? Ah oui? Esprit libre, comment on fait comme ça? Ah, Amandé, oh, ça qui passe, tu monsieur, esprit libre là. On a un petit petit gangou. Quand on j'aime force ça. Et bataille, ça va pas mener avec la force, non? Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Mais c'est par mon esprit
dit l'Éternel. Écoutez, sous peur, esprit libre, sous bien doute, toujours, mal dans ces bagailles. Sous bien doute, la carrière toujours. De ça, parce que ouais, nous parlons de onke, enke, nous parlons pile mon abalala, sous peur. Et bataille ça, pas une bataille de quantité. Parce que, t'aimes dans ces bagailles. Lorsque le peuple Israël est en captivité en Babylone, le roi Nebuchadnezzar fait une statue en or. Il dit dans son trompette là, tout le monde va le mettre à genoux. Tout le monde qui va mettre à genoux, n'a pas mergé ou dans le dedans. Ah oui? Tout le monde qui va mettre à genoux, il a foutu dans le founesa dedans. Et Miguel Swat. Guess what? Il y a 4 jeunes hommes. Tout le monde met la genou. Dernier classe monde, mettez à genoux devant le système. Excepté 4 petits messieurs. Dernier classe monde, mettez à genoux devant le système. Et c'est peut-être 4 qui te compte qui est sur eux. Ils choisissent pas compromettre l'image du Dieu invisible qui est en haut. Les gens disent, oh mon roi, oh roi, vie éternelle, roi, sachez que nous ne pouvons pas mettre à genoux devant l'idole là pour nous adorer. Et nous connaissons Dieu n'a servi à l'état délivré nous en marée. Il y a des gens qui perdent dans la bataille ça parce que vous perdez. Vous perdez l'amour. Vous perdez. C'est la bataille ça va faire pour n'importe qui. Il faut l'esprit Christ dans la roue. Il faut l'esprit scellé. Poula. Les dit, les gars dit, faites attention, ce sont les élus, oui. Esprit libre qu'il a, c'est élus, oui. Vous êtes des choisis, des élus, des appelés. Pas n'importe qui, non, la bâtisse. Chacun de nous représente 10 000 haïtiens. Et je vous le répète, m'a dit ça encore, chaque esprit libre ou être campé dans le mouvement, ça, les représenter 10 000 haïtiens. Pour qu'on lit. Mais qu'on ne va pas connaître qui ça cabo dans les camarades. Vous n'avez aucune idée qui ça cabo. Mais Dieu dit, oh, ouais. Et même là, Dieu nous a pas délivré, nous a pas mis. Sachez que nous ne pouvons pas mettre à genoux devant l'idole là. Ah oui, nous pas soumettre, nous pas faire compromis, nous pas brûler justice, justice, nous pas brûler vérité, mensonge, nous pas voler, nous pas ramper, nous pas faire des jobs sales, nous pas faire tchou le vagabond, nous pas laver le vagabond, porter valise pour vagabond, non, parce que nous connaissons qui est-ce nous. Nous pas fait tout le système. Nous pas fait tout le milat. Nous pas fait tout le sur le Libanais. Nous pas fait tout le pièce. Saloperie senti. Parce que nous savons qui est-ce nous. Nous pas mettre à genoux devant le système pétionniste. Tu vas continuer de douter toujours. Tu vas douter toujours. Je vais douter de ces bagailles. Regardez mes amis. Les Madianites et les Amalécites campent face à Gédéon. Le peuple a été dominé
été dominé par les Madians. Eh bien, l'armée générale était 32 000 hommes. Il y a 32 000 hommes. Et dans la dit Gédéon, n'est-ce pas toi? Yo toi? Il dit tout le monde qui peut bataille ça, nous mettons tout le monde à la maman, à la jeune madame nous, à la jeune petite nous, à la jeune frère nous, à la jeune sœur nous, de vous m'en arrêter. 20 000 hommes années. Nan 32 000 hommes, 20 000 hommes à jeune madame yo, 20 000 hommes à jeune petit yo, 20 000 hommes à jeune famille yo, 20 000 hommes à jeune cocotte yo, 20 000 hommes by back. Nan sacré théa, l'éternel dit Gédéon, l'étoile toujours, quête. La raison mathématiquement d'un problème quelque part. Mathématiquement, ou pas qu'à démontrer ça. Démarche divine dans l'hyperrationnel. Il n'y a aucune logique. Aucune logique. L'éloigné du bon sens. Ah oui, l'éloigné du bon sens. Il résonne. Ils réfléchissent, ils s'appuient sur leurs intelligences, ils s'appuient sur leur savoir, ils s'appuient sur leur science, mais nous autres, nous appuyons sur le Christ. Et t'es là, dit Gédéon, mais les nègres ne rigolent là. Et vous menez, n'est-ce pas, dans la rigole là? Et tu fais un bret de l'eau, regardez pour vous comment il y a un bret de l'eau. N'est-ce pas, vous arrivez? N'est-ce pas, vous arrivez? Regardez, il dit tout n'est pas baissé. Il dit tout n'est pas baissé. Qui mettait à genoux. Tendez bien. Il dit tout le monde met à genoux devant la rigole là. Qui baisse? Cap la paix de l'eau. T'as couché. Oui, allez. Ça l'a plaisir. Oui. Il dit tout le monde pour petit de l'eau. Amen. Bon, 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 allez. Et il est au paix. Mais il dit ça qu'il appelle la paix. Qui pas peur. Il dit un besoin. Les gédés ont gardé. Combien de 32 000 hommes, combien de monde qui était pour accomplir la mission? Combien de monde qui était dans 32 000 hommes? 300. Gédéon et ses 300 soldats. Crème des crèmes. Les élus. Les hommes. Moun solide. Maintenant, posez-vous la question. Posez-vous cette question, ça. Pour quelle raison
Pour quelle raison nous pas en pile? Pour quelle raison nous pas en pile? C'est parce que mission est trop grand. Pour quelle raison nous pas en pile? Mission est trop fort. Et pas n'importe mission. L'esprit Christ n'a pas fait un triage. On va quand camper devant adversaire ça comme ça. Mission grand. Qui enverrai-je? Mission grand. Qui enverrai-je? Mais attention. Nous mettez tout zuzu de côté pour nous combattre le mouvement ça. Nous mettons tout intellectualisme de côté. Nous mettons tout nos cap raisonner de façon scientifique de côté. Un seul bagaille, critère, l'esprit Christ qui vous n'a. Parce que sans l'esprit Christ, on ne va pas mener. On ne va pas aller au côté. N'avons pas. Eh bien, mes chers amis, je me dis oui. Je ne suis pas un homme de science. Je ne suis pas un homme de science. Et je n'ai pas la certitude de l'être non plus. Et mon seul bagage est capable de dire non. Dans le moment, ça doit peu frayeur envahir tête ou pas devant. Vous ne doit pas avoir en haut, vous ne doit pas avoir en bas. Vous allez dire un bagage. Si vous pas avoir en haut ou pas avoir en bas, permettez-moi de dire un bagage. Peut-être que ça me balle de là, vous ne doit pas être en genre. Non, j'ai bizarre, but m'a doulé. M'a pas adressé avec esprit libio. Soldat qui a appelé. Les solides, moun qui parcouré. Nous pas besoin de écouter m'a passé. M'a quitté nous avec parole là. Maintenant, si tu as un doute de qui est celui, pour qui raison là, aller dans le mouvement ça. Maldo, ça Dieu dit lui-même. Maintenant, c'est Dieu qui a parlé à vous. Il dit, tu es mon serviteur. Je te choisis. Et je ne te rejette point. Ne crains rien. Car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Et je viens à ton secours. Je te soutiens par ma droite triomphante. Et il dit ça. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Oui. The battle is not ours. The battle is God's.
The battle is not ours. Bataille contre système ça. Et pas bataille pas à nous lier. Bataille contre système oppression ça. C'est pas bataille pas à nous lier. Bataille contre dictature économique ça. C'est pas bataille pas à nous lier. Bataille contre corruption ça. C'est pas bataille pas à nous lier. Bataille contre immoralité ça. C'est ma bataille pas nous lier. Bataille ça. Nous sommes que des instruments. Entre les mains de celui qui nous a appelés. C'est instrument nous lier. Nommez l'Esprit Christ. Et il dit nous, n'ayez pas peur. Ne crains rien. Car je suis avec toi. Ne promenez pas des regards inquiets. Pas virer à gauche, pas virer à droite. Pas garder. No worry, brother. Ou pas besoin de paix. Pas m'en décompter, ou pas jouer de moyen. Pas m'en décompter, ou pas jouer de ressources. Pas m'en décompter, ou pas jouer de outils. Pas demander contre moi, Junior, parce que the battle is not yours. Provision, ça, on fait déjà. Il va jamais voir une bataille pour ne pas être assuré, garanti qu'on gagne la bataille. Je dis à Yahweh, nous te coûtons des fous. Aux yeux du monde, nous sommes comme des fous. Parce que système n'est grand. Système n'est son Goliath lié. Système n'est son muraille Jéricho lié. Système n'est grand. Système n'est des armes. Système n'est des l'argent. Système n'est des idéologies. Système n'est des appareils d'État. Système n'est des médias. Système de religion. Mais je vous dis, Dieu du matin, ne crée point. Car je suis avec toi. Peut-être que vous pouvez comprendre. Oui, non, pour qu'on comprenne ça, ça veut dire, je suis avec toi. C'est le je suis qui est avec vous. C'est je suis là qui a haut. Avant qu'Abraham fût, je suis. C'est je suis là qui a haut. Et je suis là qui est avant. Moi, je suis là, oui. Pas battre de problème. Pas occuper. Provision de guette faite déjà. Provision de guette faite déjà. Maintenant, pas occuper mon cabinet. Qu'a pas posé ou étudié. Mais là, dans ce moment, les ancêtres nous n'ont pas étudié. Ils n'ont pas fait grandes études. Ils n'ont pas gagné un gros diplôme. Ils n'ont pas gagné un PhD. Ils n'ont pas gagné un vice de l'esprit. Non. Ils n'ont pas connu un gros livre français. Je vais te faire de grandes études. Et pourtant, ils ont accompli la plus grande merveille du monde. Ils ont ébranlé le fondement du système colonialiste et esclavagiste.
ils ont ébranlé l'ordre établi de séquelles, de chabadelles, de saccagelles, de trembler le monde. Sans diplôme, sans PhD, sans doctorat, sans la science, sans technologie, face à la plus grande puissance de l'époque, l'armée, plus grande puissance militaire de l'époque, l'armée napoléonienne. Ils ont réécrit l'histoire. Ils ont accompli l'impossible. Et ces histoires, ça n'est pas jamais qu'à comprendre. Le mythe haïtien. Le mythe haïtien. Je vais jamais qu'à comprendre. Yo spekule, yo radote, yo ekri histwa, yo rele la aksidan istorik, yo rele sisi, yo rele sela, yo chak apese kompran ni. Apese bal des esplikasyon, il rezonne. Il rezonne. Men yo te gen bagay la kayou. Ils avaient l'esprit christique. Avec l'esprit christique, ils ont accompli l'impossible. Quelle attention a dit? Eh bien, je vous laisse, m'a quitté nous avec parole ça. Ou même si vous avez doute encore, m'a quitté à parole ça. Si Dieu, le Christ, est pour nous, est avec nous, qui donc sera contre nous? Chers amis, c'est un plaisir de vous dire avec nous. Vous connaissez moi, mais nous en pile. Mais nous en pile en pile en pile en pile. Pas jamais oublier qui est celui. Ou pas n'importe qui. Pas limiter ou avec sortant des sorts, sans oreille ou baou. Ça mon a dit, sans gens ou la vie ou à parler. Pas limiter à ça. Parce que, ou c'est un Dieu, vous êtes de la race divine. Ou bien Christ nan ou. Pa inquiète ou. Remè nou en pile. Nous connaissons toujours un plaisir ou avec nous. Et le jour en jour combat ptof. Le jour en jour la vine pinois. Et n'ayez pas peur, disait-il, car j'ai vaincu le monde. Et mes chers amis, c'est donc plaisir pour moi, nous passons bon après-midi, bonne semaine à tout le monde. Kembela, on a continué la bataille, on a été mobilisé, on a été focus, concentré, m'espérer au moins, nous t'es cerné, nous apprendre. Nous comprendre dynamique là, mouvement. Nous comprendre philosophie, l'esprit, mouvement. Nous pas en pile, mais nous avons beaucoup de nous. Assez bonne soirée. Ciao.